Mes amis français, j'ai pensé vous traduire une vidéo en roumain qui parle des paraboles et histoires chrétiennes orthodoxes. C'était pour que vous puissiez aussi avoir, comment dire, de la nourriture pour votre âme aussi, parce que la nourriture pour le corps, on en mange tous les jours. Mais la nourriture pour l'âme, peu d'entre nous, on y pense. Alors cette vidéo va vous faire comprendre aussi l'importance de l'amour et l'importance de Dieu dans notre vie. Et savoir aussi comment aimer son prochain. Et comment se respecter les uns et les autres, et comment respecter la parole de Dieu, où Jésus-Christ il a dit, aime ton prochain comme toi-même. Paraboles et histoires chrétiennes. Quatre bougies. Quatre bougies brûlaient lentement, et si tu écoutais avec attention, tu pouvais même les entendre parler. La première a dit, moi je suis le silence. Aujourd'hui les gens ont oublié que je peux faire partie de leur vie et la flamme de la bougie est devenue de plus en plus petite et s'est éteinte. Après, c'est la deuxième bougie qui a parlé. Moi je suis la croyance. Les gens disent qu'ils peuvent vivre très bien sans moi aussi. Je ne crois pas qu'il vaut la peine que je brûle encore. Quand elle a fini de parler, cela s'est éteint aussi. Moi, je suis l'amour, a dit la troisième. Je n'ai plus la force de brûler, les gens me mettent de côté comme une chose sans valeur. Eux, ils ont oublié d'aimer même les plus proches. Un coup de vent doux qui passait à côté d'elle l'a éteinte sans faire exprès. Un enfant est entré dans la pièce où brûlait encore qu'une bougie. Et voyant les autres trois éteintes, a commencé à pleurer. Vous devriez être toujours allumé. La quatrième bougie lui murmura légèrement. N'aie pas peur. Tant que moi je brûle, on peut les rallumer les autres. Moi je suis l'espoir. Avec son aide, l'enfant les a rallumés les autres. Quand Dieu veut. Il y avait une fois une femme qui, pour tout bien qui lui arrivait, disait toujours gloire à Dieu. À côté d'elle vivait un riche qui, à chaque fois qu'il passait devant la maison de la femme et il l'entendait dire gloire à Dieu, merci Dieu, il s'énervait. Il a patienté jusqu'à un jour quand il a dit à son serviteur, va dans le marché et achète deux chariots de nourriture et amène-les à cette femme. Et si elle te demandera qui les envoie, dis à elle que c'est le diable. Alors le lendemain, le serviteur sonne à la porte de la femme. Quand elle ouvre, elle voit deux chariots avec des aliments et le serviteur derrière elle. Gloire à Dieu! Merci Dieu, a dit la femme, brillant de gaieté. Ne voulez-vous pas savoir qui vous a ramené les chariots de nourriture? A demandé avec impatience le serviteur. Non, mon fils, ça n'a pas d'importance. Quand Dieu veut, même le diable le serve, a dit la femme, heureuse, et a entré avec les chariots pleins de nourriture dans la maison. Les ailes de la miséricorde. Un jour, le Sainte Martin, traversant une forteresse, a vu un pauvre torturé pour les dettes qu'il avait à des usuriers. Et étant plein de pitié pour les tortures qu'il avait endurées, le saint a demandé aux usuriers de pardonner le pauvre et d'attendre jusqu'à quand celui-là va pouvoir les payer la dette. Mais cela, sans pitié, ne voulait pas rien entendre. Le saint a commencé à prier. Comme cela, Dieu miséricordieux, toi qui as fait pleuvoir manne dans le désert et tu as nourri ton peuple, envoie maintenant la dette du pauvre pour la gloire de ton nom.
de suite est descendu un pigeon du ciel qui s'est assis sur l'épaule du saint. Quand celui-là a voulu le prendre, il s'est transformé dans un pigeon d'or. Sainte Martine l'a attrapé et l'a ramené chez un usurier de qui il a reçu 300 pièces d'or, c'est-à-dire justement la dette du pauvre. Après ça, il est allé au lieu du supplice et il a sauvé le pauvre homme. Le lendemain, quelques croyants lui ont ramené au saint plein d'argent que celui-là l'a ramené à l'usurier pour acheter le pigeon. Quand Sainte Martine est allée chez l'usurier avec l'argent, celui-là a eu des regrets parce qu'il devrait rendre le pigeon travailler de manière si parfaite. Mais le saint lui a donné aussi 30 pièces d'or en plus, a pris le pigeon et lui a dit « Vol merveille céleste !» Et le pigeon a pris son envol de suite et l'usurier lui a rendu son argent disant à lui « Assez de récompenses et ce miracle pour moi. Prends l'argent et amène-le aux pauvres. » Parabole du roi Salomon. Quand le roi Salomon est venu de retour des montagnes après le coucher de soleil, ceux qui se sont rassemblés au pied des montagnes lui ont demandé « Tu es notre source d'inspiration. Tes paroles touchent notre cœur et ta sagesse illumine nos esprits. » On est affamé de t'écouter. Dis-nous qui sommes-nous. Lui leur a souri et leur a répondu. Vous, vous êtes la lumière de l'univers. Vous êtes les étoiles. Vous êtes l'autel de la croyance. À l'intérieur de chacun d'entre vous, il se trouve un univers. Accumulez la sagesse dans votre cœur. Écoutez votre cœur et écoutez vous à travers votre amour. Alors ceux qui se sont réunis ont demandé « Mais quel est le sens de la vie ?» Et Salomon a répondu « La vie c'est un chemin, un but et une victoire. La vie est une danse de l'amour. Votre mission est de fleurir. Le fait d'être est un cadeau pour tout le monde. Votre vie est l'histoire de l'humanité. » Crée de ta vie une fête parce que c'est ça sa véritable valeur. La vie est composée du présent et le sens du présent est de vivre dans le présent. Mais pourquoi nous poursuit le malheur? Ce que tu as semé, c'est ça que tu vas cueillir. Les malheurs sont notre choix. La pauvreté est la création de l'homme et le mécontentement est le fruit de négligence. Blâmer quelqu'un, tu perds ton pouvoir. Malheureux, celui qui ne se connaît pas. Pauvre devient celui qui perd le temps en vain. Ne permette pas la foule tuer ton âme. Mais comment surmonter les malheurs, Salomon? Ne t'analyse pas, ne te compare pas et ne te partage pas. Remercie pour tout ce que tu as. Réjouis-toi car la joie crée des miracles. Aime-toi parce que ceux qui s'aiment aiment tout le monde. Prie quand tu es heureux et la malchance t'évitera. Quel est le chemin vers le bonheur? Heureux sont ceux qui aiment, heureux sont ceux qui remercient. Les heureux vivent en harmonie. Les heureux voient la véritable beauté du monde. Les heureux se contentent du soleil. Les heureux sont prêts à recevoir le soleil dans leurs bras. Les heureux sont libres et les heureux pardonnent. Comment vivre dans la lumière? Savourer chaque goutte de la vie. Une vie vécue en vain, donnera naissance à du malheur. Et sachez que ceux qui se trouvent à l'intérieur se trouvent aussi à l'extérieur.
Le monde est sombre parce que même le cœur est sombre. Mais comment vivre en harmonie? Vis simplement, pas sans personne. N'envie pas, laisse les doutes passer et ne cherche pas d'autres nouvelles. Donne ta vie au beau, crée pour l'art, mais pas pour la reconnaissance. Donne la vie au passé en l'oubliant. Amène dans le monde quelque chose de nouveau, remplis-le avec de l'amour. Là où il y a l'amour, il y a Dieu aussi. Vis en harmonie et sois toi-même. Ouvre la porte de la maison. Le premier jour de leur mariage, le mari et l'épouse ont parlé et ils se sont mis d'accord de ne pas ouvrir la porte de leur maison à personne. Ce jour, les parents du mari sont venus les voir et les jeunes mariés étaient derrière la porte. Ils se sont regardés les uns les autres. Le mari aurait voulu ouvrir la porte, mais parce qu'ils avaient eu un accord, il s'est rendu compte qu'il ne peut pas décevoir sa femme. Les parents du jeune sont partis. Après un certain temps, le même jour, sont venus à la porte les parents de la fille, le mari et l'épouse se sont regardés l'un et l'autre. Et même ils ont eu un accord, la jeune avec des larmes dans les yeux a dit « Je ne peux pas faire ça à mes parents, je suis désolée. » Et en ce moment même a ouvert la porte. Le mari n'a rien dit. Les années ont passé et les deux ont eu 4 garçons. Le cinquième enfant a été une fille. Le père a planifié une très grande fête pour la seule fille de sa famille. Il a invité toute la famille, les amis et les connaissances. Plus tard dans cette nuit, l'épouse l'a demandé quelle a été la raison pour une fête si grande pour la fille. Quand se sont nés les garçons, l'homme a été heureux, mais par contre, il n'a pas organisé nul événement. Le mari a souri à sa femme, il a pris son visage entre ses mains, s'est approché d'elle et l'a embrassé sur ses lèvres et lui a dit « Parce qu'elle est la seule qui va ouvrir la porte de sa maison pour moi. » La vie. Une femme de 70 ans, internée dans un asile de personnes âgées, n'était pas vue avec des bons yeux par la soignante, étant considérée comme aigre et non communicative. Peu de temps après sa mort, le personnel de l'asile a découvert une note dans la chambre qui les a émus aux larmes. Elle écrivait « Qu'est-ce que vous voyez, mes soignantes? À quoi pensez-vous quand vous me regardez? Une vieille femme, aigre, légèrement sénile, avec des habitudes étranges, avec des yeux mélancoliques et avec un regard perdu. Allez, venez, faites un petit effort, voyez-vous par hasard une vieille femme que vous ne savez pas comment l'aborder? Qui fait ce que vous voulez contre sa volonté, c'est ce que vous voyez, c'est ça que vous croyez. Si c'est comme ça, ouvrez vos yeux, les soignantes, parce que celle que vous voyez n'est pas moi. Je vais vous dire qui je suis. Je suis une fille de 10 ans qui a des parents et frères qui m'aiment. Je suis une jeune de 16 ans avec les pieds transformés dans des ailes, rêvant que je vais me trouver le prince charmant. Je suis une mariée de 20 ans et je viens juste de promettre amour éternel à mon époux. Je suis une femme de 30 ans
et j'apprends mes enfants les malheurs dont ils doivent se méfier dans la vie. Je suis une femme de 40 ans et mes enfants sont déjà adolescents. Je suis une femme de 50 ans et mes enfants sont déjà grands. Ils ne sont plus à la maison. À 60 ans, des bébés sont à nouveau assis sur mes genoux. Ce sont mes petits-enfants. À 70 ans, je vois des nuages noirs. Mon mari n'est plus. Et moi, c'est la terreur qui m'envahit. Mes enfants sont déjà loin, ont eux aussi des enfants grands et je ne les juge pas parce qu'ils ont oublié de moi. Maintenant, je suis juste une vieille. Je ne suis plus ni fille, ni une adolescente, ni amoureuse, ni épouse, ni mère, ni grand-mère. Toutes ces vieilles dames dont vous vous occupez gardent leur naïveté, le cœur de ces vieilles souris. De temps en temps, on tend même dans ces moments quand vous vous disputez avec elles. Ces vieilles voient en vous des jeunes et elles vous comprennent parfaitement. Rappelez-vous de ces mots, non pas en quelque sorte pour m'élever une statue pour moi ou pour pleurer parce que je ne suis plus, mais pour que vous voyez l'âme derrière les mains tremblantes et la peau tannée par la vie. La joie dans la famille. Une fois, un jeune a demandé un sage. Comment réussis-tu à garder la joie dans la famille? Tu ne te disputes jamais avec ton épouse. Tout le monde vous respecte et vient vous demander des conseils. Quel est votre secret? Le sage a souri et a appelé sa femme. Dans la pièce est rentrée une belle femme souriante. Il paraissait que son corps entier émanait de la lumière. Oui, mon cher. « Chérie, prépare, s'il te plaît, la pâte pour un gâteau. »« Bien, mon chéri, elle a sorti et après 20 minutes est revenue disant que la pâte est prête. »« Mets dedans notre meilleur beurre de notre réserve et les noix que nous avons gardées pour le gâteau de notre fils. »« Bien. » Et encore une fois, elle est partie et revenue après 10 minutes. Ajoute dans le gâteau de la terre de notre cour et après fais cuire le gâteau, a dit l'époux. Bien, a répondu la femme. Après une demi-heure, dans les mains de cette femme était ce gâteau bizarre. Bien sûr, « Que nous n'allons pas le manger, » a déclaré l'homme. « Donne-le au cochon, dehors. »« Bien. » L'invité était choqué si une telle chose était possible. Pas de mot de reproche. L'épouse a fait tout ce que lui a dit le mari, même quand celui-là lui a demandé quelque chose de tant absurde. Puis l'homme a décidé de répéter cela à la maison. Quand il est rentré dans la maison, son épouse jouait aux cartes avec ses amis. « Ma chère femme, s'est adressé l'homme, je suis occupé. Mon épouse. » Et après 10 minutes est apparue elle aussi. « Que veux-tu? Mets la pâte à cuire. Tu es devenu fou? Dans la maison, il y a assez de nourriture et moi, je suis occupée. Fais comme je t'ai dit. La femme a mis dans la pâte qu'une partie des noix. Après, elle est revenue vers son mari. Ma chère, maintenant, ajoute de la terre dans la pâte. Malheur à moi, tu es devenu fou. Combien de produits j'ai perdu pour ça? Rajoute de la terre, j'ai dit. Et après, fais cuire la pâte.
Après une heure, l'épouse est venue et lui a jeté le gâteau par terre. Je suis curieuse, comment tu vas manger ça? A dit sa femme furieuse. Je ne vais pas le manger, apporte ça au cochon. Tu sais quoi? Alors va seule pour leur ramener ce gâteau. Elle a claqué la porte et elle est allée dans sa chambre. Puis, pendant quelques jours, elle s'est moquée de son mari en racontant à tout le monde cette histoire. L'homme a décidé de retourner chez le sage. Sage, pourquoi ta femme t'a écouté tandis que ma femme a provoqué un scandale et s'est moquée de moi? Très simple, a répondu le sage. Moi, je ne me dispute pas avec elle. Et je ne lui commande rien. Moi, je la protège et c'est pour cela qu'elle est tranquille. Ma femme est la source de mon bien-être. Eh bien, et moi, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Je dois chercher une autre femme. C'est la plus simple modalité qui va t'amener à avoir une mauvaise fin. Toi et ton épouse, vous devriez apprendre de vous respecter réciproquement. Et toi, comme homme, tu dois faire tout pour qu'elle soit heureuse. Bon, mais moi-même, comment ça, je fais déjà tout pour elle? Oui, c'est possible, mais elle est heureuse. Toi, tu es heureux. Vous avez créé une famille pour que vous soyez heureux ensemble, pour que vous preniez soin l'un de l'autre. Pris par ses pensées, l'homme est revenu à la maison. Sur le chemin, il a vu un buisson de roses. Avec ces roses, il a conquis une fois son épouse. Tous les jours, il lui offrait un. Mais depuis quand il ne lui a plus offert une fleur? Il ne se rappelait même plus. Il a cassé la rose et il l'a ramenée à la maison. Comme tout le monde dormait, l'a mise à côté de sa femme. Le matin, pour la première fois après longtemps, elle l'attendait avec le petit déjeuner. Et en plus du petit déjeuner aussi, sa femme avec des yeux brillants. Il la serrait dans ses bras, il l'embrassait soigneusement comme il le faisait il y a longtemps. Depuis lors, il a commencé à prêter plus d'attention à sa femme. Il essayait tous les jours de la rendre heureuse. Et ses soins ont été récompensés par les douceurs et l'amour de sa femme. Ils ont arrêté de se disputer. Quelques années ont passé et un jour, un jeune homme a frappé à leur porte. « Messieurs, ne vous inquiétez pas. J'ai entendu dire que vous étiez un exemple pour tous les couples. » Mais à moi, rien ne me sort pas bien. Je me dispute tout le temps avec mon épouse. Quel est votre secret? J'ai lu tant de livres et je ne l'ai pas trouvé. Et l'homme a répondu, entre dans la maison. Ma femme est juste en train de faire cuire un gâteau.